Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est les choses qu'on ne voit pas. Et dans les mimes que je fais, c'est ça qu'on veut donner à voir. À travers les mimes, j'ai réussi à trouver un terrain d'expression à toute cette ébullition, je pense, qui est à l'intérieur de moi. Luis Toreao est mime corporel depuis 20 ans. Une forme d'expression contemporaine qui se situe à la frontière du théâtre et du mime, où la narration se fait en mouvement. On travaille avec la vie. On parle de l'idée de l'homme qui pense et qui, à un moment donné, devient sa propre pensée. C'est l'expression de la pensée en mouvement. Et pour moi, jouer sur une scène... Et là, tu viens par là. C'est un moment que moi, j'attends avec crainte et désir. Luis traverse des territoires fantastiques qui laissent libre cours à l'imagination de ses spectateurs. J'étais très intéressé à ce côté de mystère qu'on peut trouver dans les livres de Kafka, dans Alice de Carroll, où la réalité elle est transformée de telle sorte que on ne sait pas si on est vraiment dans quelque chose de réel ou imaginaire. On va essayer ça. Acteur, auteur, professeur, il vit sa passion au quotidien qu'il transmet à ses élèves. Il n'y a pas beaucoup d'écoles de mime, ni en France, ni ailleurs. Et donc, on a besoin aussi de former des gens et de transmettre transmettre à la fois la technique, mais aussi cette façon de voir le théâtre. Louis, c'est une boule de chaleur, de générosité, d'humanité. Et on a une courbe. Une humanité qui, à travers l'art du mime, accorde créativité et pensée. Notre pensée, elle n'est pas monotone. Elle peut buter contre quelque chose et rester là un petit peu, mais tout de suite, elle va partir ailleurs. Et on ne devrait pas lutter contre notre propre pensée, parce qu'elle est plus maligne que nous.